Voici bientôt 2 semaines que les cours ont repris au lycée bilingue de Mombor pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Pour monsieur le proviseur, comme pour l'ensemble de la communauté éducative, il faut permettre aux enfants et à tous les enfants de venir à l'école et surtout de bénéficier du savoir. Les temps sont difficiles, certes, mais il est très important et même impératif de laisser la rumeur au quartier et de chercher la vérité par l'obtention de la bonne information. Et compte tenu du fait que nous avons des faibles effectifs, parce que le lycée a pratiquement 500 élèves, et nous demandons aux parents de faire venir les enfants, de ne pas accepter, n'est-ce pas, d'être corrompus au quartier par des inconnus, parfois par des gens qui se disent être des enseignants, alors qu'en réalité ils ne le sont pas, ou alors peut-être d'autres personnes qui en réalité passent par derrière, utiliser mon nom et demander, n'est-ce pas, la rançon. Que ces parents-là se présentent, on étudie leur dossier, on met les enfants en classe, parce que nous sommes là, on veut augmenter l'effectif, n'est-ce pas, de l'établissement. Il faut que le lycée passe de 500 à 1000, voire même 2000 élèves. Déplacés internes, Covid-19 et autres difficultés sont le long chapelet des problèmes déclinés en doléances par les parents et les élèves. Mais monsieur le proviseur rassure, il faut chercher la bonne information. Par rapport aux déplacés, depuis près de 2 ou 3 ans, les déplacés ont des facilités dans le lycée, au lycée bilingue de Mombor. Ils viennent, parfois même sans papier, il suffit de déclarer et qu'on essaie de vérifier que c'est des gens qui viennent d'arriver, on les met dans les salles de classe. C'est pas, à la fin de l'année, parfois, ils ne payent même pas. Mais nous accordons, n'est-ce pas, une clémence, vous pouvez, n'est-ce pas, voir les membres de la PME, les enseignants. Il y en a qui sont dans les salles de classe depuis l'année passée et n'ont pas payé 1 franc. Mais un autre problème, c'est de les maintenir. Ceux qui peuvent payer, payent. L'essentiel, c'est de boucler l'année. Parce que sinon, on ne paye pas aussi. Ça nous fait, n'est-ce pas, une incidence financière. Et on n'arrive pas à payer, n'est-ce pas, les professeurs vacataires. Quant au contenu de ce début d'année scolaire, tout se passe plutôt bien et dans le strict respect des mesures gouvernementales édictées aussi bien par le MinSanté que le MINESSEC pour préserver la santé tout en acquérant le savoir indispensable à une formation de qualité. Pour contenir les élèves, on est obligé de diviser une salle de classe en 2. Donc on fait un cloisonnement. Et avec, n'est-ce pas, le Covid-19, même quand on cloisonne, ça veut dire qu'il faut 50 par classe. Alors on a cloisonné. Il n'est pas possible de mettre 50, n'est-ce pas, après le cloisonnement. Au demeurant, des difficultés existent, mais qui peuvent être surmontées si chaque partie prenante au processus d'éducation joue sa partition et si tout le monde se tient debout pour faire bloc. Donc le problème de salle de classe se pose avec acuité. De 2, le problème des tables-bancs également. Nous avons un besoin énorme en table-banc. Le troisième problème que je dirais, même le plus grand problème, c'est les enseignants. On a déjà un problème d'enseignants. Et maintenant, avec le Covid-19, le nombre d'enseignants doit doubler. Et les moyens ne suivent pas. Bien que ce ne soit pas un cas isolé, le lycée bilingue de Mombor mérite bien une attention particulière afin de sauver notre jeunesse qui a plus que jamais besoin de soutien pour s'affirmer.